Bonjour à tous, comme tous les jours on filme et là il nous reste pas beaucoup de temps parce que c'est l'heure de partir. Je me suis dit qu'est-ce qu'on va trouver en si peu de temps? Eh bien ça va aller très vite. Je voulais juste vous montrer ces tapis-là. Peut-être que j'ai déjà fait la review pour celui-là. C'est de la marque Ronjo et on a souvent besoin de grands tapis. Mais c'est plus pour vous montrer ceux-ci juste après. Donc c'est de la marque Ronjo, donc ils sont épais, ils sont suffisamment mous, mais c'est la longueur Qui importe. qui importe que nous recherchons tous quand on est à la maison, sur un bar ou disons on a besoin de grande longueur pour étaler les cartes. Le voici. Mais le plus important, c'est ça, qu'on n'en trouve pas souvent, c'est cette petite taille pour le close-up. Donc c'est la même marque, un tout petit peu moins épais, léger léger. Au niveau épaisseur, mais c'est cette forme-là, ce format-là qui est important. Donc en petit close-up, on peut quand même étaler les cartes. C'est facilement transportable, ça prend pas de place, mais ça a la place suffisante pour faire notre petit close-up. Bien entendu, on peut pas le plier, mais on peut le rouler, Ça d'accord? délimite bien notre espace de travail. Exactement, ça délimite bien, ils sont agréables. Et on les a en rouge et en bleu et en noir. Et voilà, donc ça va très vite au niveau de la review. Ça s'appelle les tapis Ronjo, de la marque Ronjo. Mais nous, ça sera marqué tapis close-up rectangulaire, je pense. Dessous, c'est la néoprène. Dessous néoprène, antidérapant, ouais. Très Mais bien. très, très agréable. Et bon, c'est vrai que quand on part en close-up, c'est souvent les tapis qui nous manquent. Et là, ben voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc de la même marque. Vous avez le grand grand et le petit petit. Il existe les demi-lunes et des moyens, toutes les tailles. Mais moi, j'ai pris que les grands et les moyens. Et les petits petits, je veux dire. Parce que les autres tailles, on les a dans d'autres marques. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça s'appelle le tapis close-up rectangulaire. Voilà. J'espère que ça vous a avancé dans votre choix. Ou si vous en cherchez un, maintenant vous savez où il est. Merci à vous et likez la Et vidéo, et dites tout ce que vous pensez des choses comme avant ça. de finir, juste je me rapproche, appuie sur le tapis pour qu'on voit un petit peu la mollesse du tapis. Donc là, il y a des petites saletés parce On que voit c'est pas. celui que je me sers. D'accord. Et avec une carte à jouer, si tu la bombes. Non, fais-le sur le rouge parce que je suis loin. Voilà, d'accord, oui, donc c'est quand même effectivement Oui, il y a du mou. Hein. assez mou, donc c'est très pratique pour autant les pièces que les cartes. Bah déjà, ça évite de salir les cartes sur la table. Ça fait un support pour délimiter votre tour de magie. Bon, le tapis, ça sert à plein de choses. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire la taille. Alors, on y va. On a repris la vidéo. 31, à peu près. Virgule des chouïas. D'accord, c'est le même. 31,5. Allez, 31,5. Oui, c'est plus 31,5, 31,5 sur 17,5. Voilà, 17,5. Et le plus grand. J'ai dû le mettre déjà dans la description parce que celui-là il est déjà sur le site. Bon, il est un peu plein de poussière parce qu'il est sur le comptoir là. 82 sur eh ben, 30. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, c'est parti. À bientôt. Bye bye.